Mais voilà, c'est lui qu'il me faut. Est-ce qu'un lui dit bonjour? Oui, bonjour, j'ai une souris qui se balade sur mon radiateur. Je voulais savoir, si je lui rase la tête, est-ce que ça devient une chauve-souris? Est-ce que t'as une autre question? Non, voilà, c'est tout. Au revoir. Expert nuisible, bonjour. Salut Dédé, ici la chatterie de Toulouse. Alors, une petite question pour toi aujourd'hui. Je voulais savoir, moi qui élève des chats, s'il mange une souris qui a mangé du raticide, quelles sont les conséquences? Ah, très bonne question. Non, tu risques rien pour tes petits chats. S'ils avalent une souris qui a mangé du raticide, la dose lectale qui est le poison est calculée pour un rongeur d'un poids maximum de 800 grammes. Donc ton chat ne risque rien s'ils avalent un rongeur qui a mangé du raticide. Merci et à bientôt. Expert nuisible, bonjour. Allô? Il m'appelle et il répond pas. Il est là, en train de faire un joujou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, tu m'entends? Pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Dédé? Dédé? T'es là? Ouais, je crois que t'es là. Enfin! Ouais, alors je voulais savoir, dis-moi, dans mon immeuble, dans les réseaux de ventilation, il y a, on entend des bzzz de fou, je crois qu'il y a des abeilles partout. Alors, j'ai une question, j'ai un voisin qui a décidé de faire un lance-flamme avec une bombe de déo et un briquet. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense, moi, personnellement, que c'est pas une très bonne idée. Ah non, pas du tout, pas du tout! Cela, c'est l'explosion. Ma deuxième petite question, ça serait pour savoir comment on pourrait faire pour enlever des abeilles chez nous, parce que il me semble que c'est protégé. Je sais pas, ce qui paraît, les abeilles sont en voie de disparition. Donc, s'ils sont avec les êtres humains, comment on fait pour s'en débarrasser, en plus que c'est protégé et qu'il faut pas les tuer? Donc, si c'est dangereux pour nous et qu'il faut pas les tuer, comment on fait? J'aimerais que tu me trouves une solution au plus vite, s'il te plaît, pour qu'on puisse faire ça dans les règles de l'art. Alors écoute, tonton, la chose à faire, c'est d'abord d'appeler un apiculteur. Si l'apiculteur peut récupérer la reine, il récupérera l'essai en même temps. Donc s'il n'y arrive pas, il faudra que tu appelles un pro et qu'il mette un insecticide en poudre pour éviter les explosions. Merci beaucoup Dédé, t'es super sympa et je te dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Allez Dédé, ciao ciao. Tu n'as pas encore envoyé ta vidéo à Dédé pour le prochain numéro d'Expert Nuisible? Dépêche-toi, il reste de la place encore.